Coucou, ça va bien? Aujourd'hui, je vais répondre à des questions du jeu qui s'appelle Je n'ai jamais. C'est un jeu très gogol qui pose des questions du genre Je n'ai jamais fait nana. Et moi, je réponds et ça me permet de te raconter des anecdotes de ma vie tumultueuse. Alors, je vais piocher des questions, te répondre et si tu veux répondre dans les commentaires, surtout n'hésite pas, ça me ferait très plaisir de partager les réponses avec toi. D'accord? Alors, attends, je l'écris juste un peu. Alors, je n'ai jamais appelé tous mes ex en étant saoule. Alors non, mais par contre, j'ai déjà été face à un de mes ex quand j'étais saoule. Et là, je lui ai dit que je l'aimais, que je n'avais jamais réussi à l'oublier, et nanana, et nanana. Et ensuite, j'ai vomi. Et ensuite, je lui ai demandé de passer la nuit avec moi, ce à quoi il a répondu non. Je n'ai jamais perdu ma virginité avant le brevet des collèges. Non, je l'ai perdu après la famille. Je n'ai jamais été virée pendant la première semaine de travail. J'ai pas souvenir d'avoir beaucoup été virée dans ma vie. Mais ça m'est déjà arrivé de ne pas être prise après une période d'essai. Je n'ai jamais eu plus de 100 abonnés sur mon compte YouTube. Je n'ai jamais craqué une capote. Si, ça m'est arrivé, j'ai craqué une capote ici au Brésil. Et c'était dans une auberge de jeunesse avec un mec. Tellement beau gosse, c'était un indien anglais. Et on s'est pécho, et on s'est quasiment pécho sur la table de la cuisine de l'auberge de jeunesse où je vivais. Mais je me suis rappelé qu'il y avait une caméra au-dessus de la table de cuisine et que le mec qui regardait la caméra, c'était mon pote Alexis. Et je me suis dit, interdit qu'il se tape une branlette sur mon compte. Donc il était très très tard, il devait être genre 4h du mat. Donc j'ai fini dans les toilettes de l'auberge de jeunesse là. J'ai fini dans les toilettes de l'auberge de jeunesse, j'ai un truc avec les toilettes, je sais pas pourquoi. Ceux qui ont vu la vidéo d'avant savent pourquoi je dis ça. J'ai fini dans les toilettes de l'auberge de jeunesse, ça c'est vrai. Et j'étais dans les toilettes et il y avait le miroir et je me trouvais méga bonne. Écoute, c'est la vie. On a tous fait des trucs qu'on regrette, même si en vrai de vrai je regrette pas parce que c'était bien. Et le préservatif a craqué. Et c'était pas la joie. J'ai jamais vomi dans un taxi et payé une amende. Non, j'ai jamais vomi dans un taxi. J'ai déjà... Non, une fois j'étais malade, mais ça j'ai raconté l'histoire, c'est quand j'étais bourrée. Ah non, je suis pas allée dans un taxi, je suis rentrée avec Farid. Quand j'ai été droguée. Non, j'ai pas de souvenir, j'ai pas beaucoup bu dans ma vie vraiment. Ah si, j'ai déjà été dans des taxis bourrés. Parce qu'en fait, j'ai pas beaucoup bu dans ma vie. Mais il y a un moment, c'était entre mon ex Laurent et Farid. J'ai eu 2-3 ans comme ça où je buvais beaucoup, mais genre beaucoup, je sortais pas mal avec une copine. J'avais une copine martiniquaise qui vivait chez moi, qui buvait tout, on buvait tout le temps du rhum à la maison. Et elle était souvent bourrée, et voilà, moi je buvais avec elle. On sortait, on buvait, moi si je buvais genre un mojito, j'étais bourrée. Il pleut vraiment beaucoup, j'ai très peur pour ma maison. Je buvais un mojito, j'étais bourrée, et en gros, j'ai jamais vomi dans la voiture. Je pense que j'ai déjà ouvert la porte pour vomir. Et une fois, mais ça je crois que je l'ai déjà raconté, le Uber m'a arrêté devant chez moi, je suis sortie du Uber, j'ai vomi sur la porte d'entrée de mon immeuble, sur toute la porte d'entrée, et je suis rentrée dormir, et le lendemain mes voisins ont tapé à ma porte pour me demander de nettoyer mon... J'avais tellement honte, Je n'ai jamais reçu ou infligé une bifle. Alors je n'ai jamais infligé de bifle parce que je n'ai pas de sexe masculin. Est-ce que j'ai déjà reçu une bifle? Si, pour rigoler, je me suis déjà fait bifler plein de fois. Ouais, ça arrive. Mais tu vois, au Brésil, les mecs, ça les fait, c'est pas trop leur délire. Je sais pas si c'est hyper le délire de tous les mecs en France, mais disons qu'il y a un peu cette blague de la bifle, pas la bifle. D'ailleurs, j'ai mis beaucoup d'années avant de découvrir ce que c'était une bifle. Et d'ailleurs, c'était notre mot avec Médica quand on était en Asie. Je sais pas pourquoi. On parlait beaucoup de bifle. Je sais pas, on aimait bien ce mot, il nous faisait rigoler. Ouais, je crois que ce mot me faisait beaucoup rigoler. Et par contre ici je l'ai jamais entendu au Brésil, mais je crois que c'est un mot français en fait, bif. Bif c'est un mot français, c'est vrai. Et je crois que les étrangers d'ailleurs se moquent de nous parce qu'on a un mot pour parler des mecs qui claquent leur bite sur le visage des filles. Et il me semble que j'ai jamais aucun mec brésilien, c'est pas une certaine sûre, jamais aucun mec brésilien qui a fait une blague sur ça. Je l'ai jamais entendu, ou qui a demandé, ou qui a rigolé, ou qui a machin. Bon, peut-être c'est vraiment un truc de français. Les mecs, si j'ai des mecs sur ma chaîne, dites-le moi. Est-ce que je n'ai jamais de coups de foudre? Si, moi j'ai des coups de foudre tous les 4 matins. Bon là non, ça fait longtemps, mais tout le temps. Mis le feu à une cuisine.
si, j'ai déjà mis le feu à ma cuisine quand j'étais petite avec ma petite soeur. Et on a eu super peur. Mais ça va, c'est pas méchant. Je n'ai jamais cassé un lit pendant l'acte. Non. Jamais, jamais, jamais. Je n'ai jamais laissé l'étiquette sur un vêtement pour le rendre après l'avoir porté. Non, je n'ai jamais fait ça. Qui fait ça? Je n'ai jamais volé des sous-vêtements d'une amie. J'ai pas volé les sous-vêtements d'une amie. Oh si, en fait, Virginie, qui m'aide pour préparer ces vidéos-là. Pas ces vidéos-là, c'est celle qui a préparé tout ce qu'il y a sous la vidéo d'ailleurs. Qui a mis en ligne Virginie, oui. Alors le délire, c'est que depuis que je suis partie, quand je suis partie de France, j'avais pas de sous-vêtements, j'avais que deux sous-vêtements. J'ai voyagé pendant un an et quelques comme ça avec deux sous-vêtements, deux culottes. Et en fait après j'habitais très longtemps dans une auberge de jeunesse et il m'est arrivé plusieurs fois que des meufs oublient des culottes et je les récupère, je les lave, nana, et c'est bon, c'est fini. Ou bien qu'elles les oublient sur l'étendoir en partant. Souvent c'était ça, parce que j'ai jamais ramassé mes culottes sales en fait. Mais qu'elles les oublient sur l'étendoir et en fait mes culottes, et j'en ai encore. Les culottes, c'était les culottes des meufs. Et en fait, dans ma maison, comme j'ai tout le temps des meufs qui louent chez moi, elles oublient tout le temps leurs culottes. Et avec Sandra, à la fin, on regarde tout le temps les habits qu'elles ont oubliés. Et moi, des fois, je prends des culottes. Et il n'y a pas longtemps, puisque je m'en bats les steaks, et il n'y a pas longtemps, j'avais une culotte sur moi. Et Virginie me regarde en me disant, ah, putain, elle est belle ta culotte et tout. Elle me fait penser à la mienne. C'était la sienne. Elle s'en est rendue compte, elle voulait me défoncer. Elle voulait pas la récupérer. Je comprends pas pourquoi. Je n'ai jamais raté mon train à cause d'un lendemain de soirée trop difficile. Non, parce que je bois pas d'alcool. Je n'ai jamais fantasmé sur une personne du même sexe. Si. En fait, non. En fait, le délire, c'est que j'avais un peu ce fantasme de coucher avec une femme, mais c'était juste de l'ordre du fantasme pendant toute l'année. Ici au Brésil, j'ai embrassé plein de filles et j'ai eu une histoire pendant 5 mois avec une fille dont je te parlerai un jour éventuellement sur cette chaîne. Vous êtes beaucoup à me demander, un jour je le ferai. Et si je le fais, j'aimerais en parler bien. Et cette fille est tellement merveilleuse qu'il faut que j'en parle vraiment bien. Mais indépendamment de ça, et c'est pour ça d'ailleurs qu'on n'est pas resté ensemble et que j'ai pas eu d'autres histoires avec les filles, c'est que j'ai pas de désir sexuel véritablement pour les filles. Et donc, on me gratte. C'est-à-dire que quelqu'un pense à moi, peut-être c'est elle. Ah, peut-être Rafaela pense à moi. J'ai pas de désir sexuel vraiment vers les filles et ça m'est jamais vraiment arrivé. Je crois jamais de voir une fille et de dire je la niquerais bien, alors que les mecs, ça m'arrive très souvent de regarder un mec et de dire toi je te ferai bien ta fête. Donc voilà, j'ai pas vraiment de vrais fantasmes sur les filles. Voilà, mais avez-vous déjà porté des combos claquettes chaussettes? Pièce sur ma gueule, mais mon nez gratte. Il y a quelqu'un qui m'a dit que quand le nez te gratte, ça veut dire que t'as les vers au cul. Je te jure, j'ai pas les vers au cul. Je n'ai jamais volé des objets de valeur? Non. Non. Je t'ai raconté dans une autre vidéo que j'ai essayé d'avoir une carrière de voleuse, ça n'a pas marché. Quand j'étais jeune, je volais des livres aussi. Ma mère, en fait, on était pauvres et quand on allait faire les courses, je volais des livres dans les grandes surfaces pour les lire. Parce que je voulais les livres, mais j'ai jamais volé des objets de valeur. Je n'ai jamais indiqué le mauvais itinéraire à quelqu'un qui était perdu. Ça m'est déjà arrivé, mais c'était pas volontaire. Le premier jour. Mais il y a des gens qui le font volontairement et je trouve ça marrant en fait. Ça dépend où t'envoies la personne et comment, les circonstances. Mais quand t'es en voyage, voilà, quand c'est des voyageurs et que t'indiques à quelqu'un un mauvais chemin ou quand t'indiques un mauvais chemin, ça peut te permettre de découvrir autre chose et ça peut être bien. Mais ça peut aussi être la merde. Je n'ai jamais été sous la lanterne. Oh, ça me gonfle les questions d'alcool. Je n'ai jamais fait l'amour pendant une période de règles. Bien sûr, je fais tout le temps l'amour pendant mes règles. J'ai aucun problème avec ça. Je t'ai fait une vidéo sur la question. Je n'ai jamais emprunté quelque chose que je n'ai jamais rendu. Ah oui, souvent. Je n'ai jamais pris des photos en plein acte. Alors non. En fait, je suis hyper... sur ça, je suis super chiante. Je veux pas de photos, pas de vidéos de moi en train de niquer. Pas de photos, pas de vidéos de moi à poil. Je crois que j'en ai déjà parlé dans une vidéo. Je pense pas vraiment qu'il y ait des gens qui aient des photos de moi à poil. Des photos sexuelles, des photos pendant l'acte, des trucs comme ça. Et je pense que j'en ai jamais fait et que je me suis jamais filmée en train de niquer. Je pense pas. Je déteste. C'est vrai que en fait, j'assumerai totalement les conséquences. Si demain, il y avait une vidéo de moi en train de niquer, c'est la vie, on nique tous. Tu veux que ça fasse quoi? Que ce soit moi ou quelqu'un d'autre, c'est la même chose. Donc, je pense que je m'en foutrais. Mais pour autant, j'aimerais pas donner cette possibilité à quelqu'un de le faire. Donc, non. Je n'ai jamais réussi à m'incruster dans une soirée privée.
Si, alors tu sais quoi, je me suis même accrochée à un concert. En gros, j'étais avec une pote et on voulait voir le concert de Christophe Maé. Et en fait, le challenge qu'on s'était donné, c'est qu'on ne voulait pas payer le concert. Tu vois, on avait dit c'est mort, c'est mort, c'est mort, on paye pas, on paye pas. Et on a été devant le concert. Le concert avait commencé, il n'y avait plus personne, il n'y avait que les vigiles. On a supplié les vigiles, s'il vous plaît, laissez-nous rentrer. On veut juste voir Christophe Maé. Pitié, 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 pitié. Il voulait pas, il voulait pas. On a essayé de pleurer, on a essayé de tout faire. Ça a duré, mais tellement longtemps. Au moins une demi-heure. On les a tellement saoulés qu'au bout d'un moment, ils ont dit allez, allez-y. Et ils nous ont laissé, et on a été au concert de Christophe Maé. Ils nous ont donné 3 places pour le concert. Je n'ai jamais, j'aimerais sur ça, rigolé après avoir fait pleurer un enfant. Quand j'étais petite, je faisais pleurer mes petits frères pour les prendre en photo en pleurant parce que je me prenais pour une artiste photographe. Et à l'époque, en fait, il y avait un truc où, genre, tu faisais des photos et t'envoyais tes pellicules dans des enveloppes en plastique, c'est des enveloppes en plastique que tu trouvais partout. T'envoyais tes pellicules là et tu payais qu'une fois que tu recevais tes photos. Et quand tu recevais tes photos, ils te renvoyaient des pellicules. Tu pouvais recommander des pellicules et tu les payais qu'après. Ils sont trop cons, ils ont fait ça avec moi. S'il te plaît, ils ont fait ça avec moi. Et donc, pendant des mois et des mois, je faisais ça avec toutes les sociétés de trucs de photos et je faisais des tonnes de photos. Je me prenais pour une mannequin, je me prenais pour une meuf de l'art abstrait, je faisais des photos de tout et j'envoyais, j'envoyais, j'envoyais. Et après, ma mère recevait des tonnes de factures de relance que nous ne payons jamais, bien entendu. Il n'y a jamais eu de conséquences, bien entendu. Voilà, je te fais des gros, 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 gros bisous. Si jamais tu veux répondre aux questions, toi aussi, surtout, fais-le, ça me ferait très plaisir. Et dis-moi si tu veux que je continue à faire des vidéos comme ça après le confinement. Voilà, j'ai fait ces vidéos-là parce qu'on était en confinement. Enfin, vous étiez, parce que moi, je suis toujours et ça va le rester un moment. Parce que vous étiez en confinement, je me suis dit, oh, pourquoi ne pas faire des vidéos un peu plus légères que la normale. Mais maintenant que vous revenez dans votre normalité, si on peut appeler ça la normalité, parce que vous y serez bientôt, et eh ben dites-moi si vous voulez que je continue à faire ou pas. Ok, je vous fais des gros, 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 gros bisous, je vous dis à bientôt. Ciao. A gente se combina, a gente tem tudo a ver.